Bonjour à tous, je suis Axel Alétru, paraplégique incomplet. Aujourd'hui, j'ai une question qui revient souvent dans mes conférences. On me demande si malgré le fauteuil roulant, je peux faire de la mécanique. Et aujourd'hui, je vais vous démontrer que, bah oui, même si on est en chaise roulante, on peut bricoler, on peut faire de la mécanique. Notamment, moi, sur mon SSV, je peux changer les roues, les amortisseurs. J'ai même réussi à changer un arceau par moi-même. Il suffit juste de s'adapter, trouver des solutions. C'est parti! On va commencer par enlever la roue. Alors évidemment, la roue est bloquée. Donc on va prendre une clé dynamométrique parce que les roues sont serrées à des newtons spécifiques pour ne pas avoir trop de serrage ou de desserrage. Donc avant de lever la machine, on va ici desserrer le plus gros. Alors effectivement, j'ai la chance, contrairement à certains de mes confrères, d'avoir un petit peu de mobilité au niveau des jambes qui me permet de tout de même avoir plus de facilité. Alors évidemment, par rapport à un valide, ça n'a rien à voir, mais ça me permet quand même de faire pas mal de choses en plus qui me facilitent la vie au quotidien. Maintenant, on va pouvoir lever la voiture. Alors c'est vrai qu'en fauteuil, on met toujours plus de temps. Hein. On est toujours un peu... Par rapport à un valide, on met deux fois plus de temps. Il ne faut pas être pressé. Mais au moins, on peut avancer. Donc maintenant, on va monter le cric pour que je puisse ensuite enlever la roue. Une fois qu'on a levé la voiture, je viens chercher la pèteuse pour enlever la roue. Alors c'est vrai que toujours en plus en fauteuil, la difficulté c'est que quand on veut serrer ou desserrer quelque chose ou forcer un petit peu, c'est toujours compliqué parce qu'il faut toujours mettre les freins. Les freins des fauteuils, c'est un peu, ça freine pas toujours, on peut basculer facilement, donc faut toujours trouver des solutions. En l'occurrence, en plus, moi je n'ai pas trop d'abdos et donc à chaque fois je tombe, donc je dois toujours trouver un moyen de me caler pour ne pas perdre l'équilibre. Alors je peux vous dire qu'au Dakar, des roues, on a dû apprendre à en changer quand on crevait. Et là, hop, allez, un peu de... Tac. Alors là, une sécurité, hein, toujours important. Mettre la roue en dessous de la voiture si le cric clash. On ne sait jamais. Maintenant, on baisse le cric. Maintenant, on va vérifier les roues. Maintenant que la roue est posée, on va pouvoir donner un peu plus de force, mais pas trop. De toute façon, on vérifie toujours les roues. Ensuite, à la dynamométrique pour serrer comme il faut.